Un accident vasculaire cérébral se produit toutes les 5 secondes dans le monde. Une statistique de l'Organisation mondiale de la santé qui fait de cette maladie un problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité hospitalière dans les services de neurologie est de 25%. Une journée mondiale pour donner l'alerte et le thème est révélateur. AVC, agir vite, c'est important. Agir sur la prévention, c'est agir sur les facteurs de risque. Ceux qui exposent à un risque de développer de l'AVC. L'hypertension, le diabète. Donc, il faut vous traiter et il faut vous traiter correctement. Il ne suffit pas de prendre un médicament de temps en temps. Il faut encore prendre le traitement correctement. Il faut arrêter de fumer si vous fumez. Si vous n'avez pas commencé, ne commencez pas. Il faut éviter l'alcool. Alors, on accorde un petit verre de vin de temps en temps, oui, mais... Bon, pas d'excès, faut éviter l'obésité, donc pratiquer un exercice physique, et puis comme on dit, manger pas trop gras, pas trop sucré, équilibré. Voilà, et avoir une activité physique régulière, c'est la meilleure façon de prévenir l'AVC. Une meilleure connaissance des facteurs de risque, une bonne hygiène de vie et une consultation dès les premiers symptômes, voilà une série de mesures qui pourraient sauver des vies.